Ça m'énerve. Les sports collectifs, c'est pas mon truc. Et si c'est votre truc, tant mieux. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Je veux dire, il y a les JO bientôt à Paris, donc peut-être que vous êtes genre surexcité. Waouh, la chance, les Jeux Olympiques 2024. Super, si vous êtes content pour ça, y a pas de problème. Voilà, tant mieux. Il faut que tout le monde soit. Voilà, si ça vous plaît. Moi les JO, on n'y arrivera pas. Voilà, je pense. Oui. Je suis désolé. Hein. Je pense qu'on n'y arrivera pas parce qu'on n'est pas prêt à accueillir des millions et des millions de touristes dans des bonnes conditions. Dans des mauvaises conditions, pour en accueillir des milliards, mais ben, avec qui vous voulez, mais dans des bonnes conditions, on n'y arrivera pas. Pour que ça marche, nos Jeux Olympiques, on a encore le temps peut-être de construire un faux Paris. Comme un parc d'attractions, un Paris fictif, hyper sympa. D'engager une centaine de milliers d'intermittents du spectacle pour qu'ils soient comédiens, comme dans les parcs d'attractions. Tu sais, les personnages, ils feraient les Parisiens, feraient les nous, mais en gentil. Genre, bonjour, bienvenue à Paris. C'est Paris. Bonjour, bonjour. Oh, j'ai mangé un bonbon. Est-ce que je vais jeter le papier par terre? Non, non, non. Je vais le jeter dans une poubelle prévue à cet effet. Pour éviter que les rats viennent. Les rats, que dis-je? Les rats qui n'existent pas. Vous êtes musulman? Bienvenue. Mouah. C'est Paris. C'est Paris. On n'y arrivera pas. Et ça me gêne pas qu'on n'y arrive pas, pour de vrai. Ça me gêne pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve que les Jeux Olympiques, ça répond à des questions que je ne me pose pas du tout. Comme par exemple, qui est l'homme qui court le plus vite du monde? J'en ai rien à foutre. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis plus en CE1. C'est la dernière fois que je me suis demandé qui court vite. Est-ce qu'elle court vite, tes chaussures? Qui court vite? Tu cours vite? Moi, je cours pas vite, tu cours vite. Tu mets tes mains comme ça. Waouh, tu dois courir vite. Qui est l'homme qui saute le plus loin du monde? Je pense, sans m'avancer trop, que on n'a pas besoin de cette personne. On n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter? Sauf si, vraiment, genre, il y a un bébé, un petit bébé, il y a un nourrisson là-bas. Le petit nourrisson, il est en grave danger. Oh là là, tout le monde, regarde, il y a un nourrisson. Il est en danger. Il est en danger, le nourrisson, vite. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'aider, le pauvre bébé. Il y a une grande flaque d'eau. Oh là là, le pauvre. Vite, il faut sauver le bébé. Vite, que quelqu'un sauve ce bébé. Poussez-vous, poussez-vous. Mais qui êtes-vous? Je suis l'homme qui saute le plus loin du monde. Bravo, s'il vous plaît, aidez ce bébé. Je ne peux pas tout de suite. Avant de sauter loin, je dois faire 3 pas un peu ridicules. Laissez-nous tranquille.